Now, artificial hearts will soon be available to purchase in certain European nations. After a long-awaited European Commission approval, a French company is all set to manufacture these artificial hearts. The device will give an alternative to heart disease patients amidst shortage of heart donors. The artificial heart is aimed at patients who are scheduled for a heart transplant within a period of 180 days. Alors, l'idée de SCoR, qui est née il y a maintenant quasiment 30 ans, c'était de créer un dispositif qui pouvait se substituer à la transplantation cardiaque. Donc, avoir un dispositif qui fonctionne d'une manière physiologique, tel un cœur humain. Donc, pulsatile, autorégulé et hémocompatible. Now, for many patients with severe cardiac issues, a heart transplant is the only option. But this, of course, is no easy fix. The human body can reject a foreign organ. To combat this, patients have to take drugs to suppress their immune systems, weakening their defenses against infections. And this is if patients can get a transplant in the first place. The demand for healthy hearts far outstrips the supply. The device will give an alternate option to heart disease patients amidst the shortage of heart donors. Permettre à des gens jeunes qui ont une espérance de vie importante de pouvoir attendre un cœur, donc ça c'est pour la transplantation, ou autrement il y a la thérapie définitive, la thérapie de destination comme on le dit en anglais, qui permet à un patient qui ne pourra pas être éligible à la liste d'attente parce qu'il a des complications, comorbidités qui ne lui permettent pas d'être sur la liste d'attente, et bien d'avoir un dispositif qui lui permettra de vivre le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui on tombe dans la première indication en effet, qui est pour la transplantation, mais notre but toujours, c'est de travailler pour avoir une extension d'indication dans le futur pour pouvoir adresser les deux types de populations. The shortage of heart donors leads to delays in surgery. According to reports, at any given time, up to about 4,000 people are waiting for a heart transplant in the US. On an average, about 20 people die every day from the lack of available organs for transplant. An artificial heart is also suitable for patients for whom a supportive heart or left ventricular assist device does not work. Co-presented by Skoda, simply clever. Vion is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.